fermer. Bien sûr, voilà, qu'on puisse plus y aller. Plus du tout. Je sais où et quand je peux trouver Francesco. Mais... Qu'y a-t-il ? J'ai appris autre chose. Ils ont assez d'armes pour équiper une armée entière. Le pape lui-même les soutient. Ah ah ! Sisto est incorrigible. Mais qu'est-ce qu'il complote au juste ? Je n'ai pas bien compris tous les détails, mais cela concerne les Medici. Ils passeront à l'acte demain matin au dôme. Tous les Medici assisteront à l'office du dimanche. Et tout Florence sera là par la même occasion. Alors ils vont agir pendant la grand-messe, c'est évident. Voilà qui me donnera l'occasion de me mêler à la foule, de me rapprocher et d'arrêter cette folie. Si tu échoues, si Lorenzo est tué, alors Florence tombera aux mains des Pazzi. Ça n'arrivera pas. Je le promets. Je te le promets. Puis ton épée glitch dans le mur, hein, quand même. Alors, lieu secret, tombeau d'assassin. Explorer tombeau d'assassin pour trouver les sceaux en rapport à la crypte de la Villa Odyssey. Ok, alors, la carte. Que me dit la carte maintenant? C'est quoi ça? Tombeau d'assassin, ok. J'en ai un en ville. On peut aller voir tout de suite. On pourra aller voir. Alors, c'est quoi? Fouiller. D'accord. Alors j'ai plein d'argent dans mon coffre à la villa. Hop. On va essayer d'être tranquille. Faudrait que je trouve une affiche pour l'enlever. Ça m'évitera les soucis. Voilà. Des saltimbanques ici ? Ouais, je suis un saltimbanque. Bon, alors. Non. Mauvaise touche. C'était pas ça que je voulais faire. Là-bas ! Merde ! Là-bas ! Allez ! Ah ! Ah bah mince alors, tu es tombé ! Mais non, ouais, on s'enfuit. Oh mon dieu. Un assassin. Courez. Aïe. Pardon. Voilà. T'as le temps que vous arrivez à m'attraper. Bonjour, vous. Où j'ai appris? Bah, je sais pas. Et toi? Oh mon dieu! Bah, il est parti où? Ah ah! Tu t'approches, tu meurs! Ninja! Hop! C'est où? C'est dans l'église là, c'est ça, ouais. Hop. Serena notte. Bonjour. Au revoir. Pardon. Ah, il veut soigner des oignons. Ah, mais ça, c'était l'ancienne maison. Je me souviens. Mais il n'y a pas l'air de vouloir y faire quelque chose. Ah, ok. On va déjà aller voir dans l'église. Si on peut, hein. Après, si on peut pas y rentrer tout de suite. Icône d'assassin. Tombe d'assassin qui apparaît par une pop-up de la base de données indique qu'une entrée secrète se trouve dans ce monument. Dans le monument. Ah. M'obligez pas à devenir violent. Il est où? Comme tout le monde. Non mais où? Restez à l'écart.
Tu cherches à aller où, en fait? Chut, calme-toi. Voilà, fais dodo. Vous inquiétez pas, je suis médecin. Ouais, il a fait une crise cardiaque. Ok. C'est dans le bâtiment, il m'a dit. Donc si je me souviens bien, je peux plus ou moins faire le bordel sur le mur là. Ok, hop, hop, ninja. Allez, monte. Voilà. Alors... Il m'a dit qu'il y avait une entrée dans le bâtiment. Question, c'est par où je rentre dedans? À part par la porte principale, quoi. Je suis pas sûr que par le toit, c'est une bonne idée. Mais bon, on peut essayer. Bah, tu montes pas? Ah, ok. Allez, monte. T'as du mal, hein? Ok. Oui, il y a de l'argent dans le coffre, c'est bien. Mais encore. Ah bah, j'ai trouvé une plume, mais c'était pas ça que je venais chercher. Comment je suis censé rentrer dans le bâtiment? À part la porte principale. Ouais, je crois qu'il y avait que la porte principale, en fait. Alors, comment je descends? Ok. On va éviter de se faire mal, hein. Ok, j'ai pas eu mal, c'est pas grave. Au moins je suis en bas. C'était pas ça qu'il fallait faire. Bon, bah allez, on va faire la mission principale et puis je pense qu'on va rentrer dans l'église, quoi. Je suis où? Ok. Faudrait que je trouve un moyen de rentrer dans l'église. Pardon, pardon. Il était pas là? Ah, ok, il est là. Empêcher les insurgés de s'en prendre aux Médicis. Ok. Ah ouais, en gros, il faut suriner tout le monde, quoi. Ok, je vois c'est qui. Est là, avec sa femme. Je vois Giuliano, le frère de Lorenzo. Mais où est Francesco? Le voilà. Ah. C'est le moment. Oh mon Dieu! Ah! Ah! Mais il est pas mort? Ah bah si, il est mort. Et pourquoi moi je peux pas agir? Je peux pas leur suriner la bouche? Ta fin est proche, Lorenzo. Et tous les membres de ta famille périront bientôt par l'épée. J'y veillerai. Traître, assassin, je vais te tuer. Surine-le, surine-le. Ce que tu mérites. Et maintenant, maintenant tu vas mourir. Attends, je t'en prie, aide-moi. Prends une épée, ça ira mieux. Touchez pas, Lorenzo! Attends, toi t'es ma cible, toi! Toi je dois te buter!
Bon, mais... Non, je protège Lorenzo. C'est mon copain. Ah, ça fait mal, hein. Ok, moi je les occupe. Courage, Lorenzo. Pourquoi je pouvais pas le tuer, quoi? Sérieux, quoi? Tu veux jouer à ça? Ok, moi je me soigne. Voilà. Protégez Lorenzo. Ça, c'est fait. Oui. Je vous en prie. Maintenant, celui qui est derrière tout ça doit payer. Pas maintenant. J'ai besoin d'aide. Chez moi. Je leur fais confiance. Peux-tu... Te guider? Bien, par ici. Ok, eh bien. Je perds beaucoup de sang. Ah, il faut courir alors. Je vais aussi vite que je peux. Francesco De Pazzi! Tu es? Je vais traquer sa famille, la chasser de notre cité. Ils vont le payer! Restez calme, Signore. Ne vous fatiguez pas trop, je tiens à vous garder en vie. Mais je n'en suis pas moins capable. Nous y sommes. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. Espérons que je n'ai rien perdu de mes talents. Je suis peut-être habillé comme un noble, mais je n'en suis pas moins capable de couper la gorge. Ok. Voilà, protégé. Ah bah moi je tue tout le monde, moi, je suis un ouf. Déjà qu'ils nous permettent pas de tuer qui on veut quand on veut. Allez, viens, mais d'ici. Tu suis? Allons-y. Mais pourquoi il suit pas? J'aurais préféré éviter de me battre, mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Ok. Je suis peut-être habillé comme un noble, mais je n'en suis pas moins. Ça tente? J'ai pas que ça à faire. J'aurais préféré éviter de me battre, mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Je suis peut-être habillé comme un noble. Voilà. Oui, mais c'est bon, j'ai compris, t'es habillé comme un noble, mais tu sais te battre. J'ai compris, tu vas pas me le répéter en boucle. Espérons que je n'ai rien perdu de mes talents. Je suis peut-être habillé comme un noble, mais je n'en suis pas moins capable. Oui, mais j'ai compris. J'ai compris. Venez. Attends, je vais faire un truc. J'aurais préféré éviter de me battre, mais il semble que le destin en ait décidé autrement. Venez avec moi, s'il vous plaît. Je suis peut-être habillé comme un noble. Voilà. Faites la bagarre avec nous. Je suis peut-être habillé comme un noble, mais je n'en suis pas moins capable de couper la gorge. Il y a longtemps que je n'ai pas combattu. Espérons que avec je n'ai rien perdu de mes talents. Allez, viens. Viens, nous on passe par un autre chemin. Oui, oui, je vous protège, vous inquiétez pas. Mais poussez-vous. Où? Ah non, c'est moi. Et salaud, il m'attendait. Je suis peut-être habillé comme un homme, mais je ne suis pas moins capable de couper la gorge. Salaud, mourrez tous. Espérons que je n'ai
Voilà. Venez. Ah, viens, Lorenzo, vite. On est décidé autrement. Restez. Ok. Boum, boum. Lorenzo est gravement blessé. Ouvrez-nous la porte. Quel est le mot de passe? Poliziano, ouvre cette maudite porte, tu entends? Dieu tout-puissant, entrez. Oh mon Dieu, entrez. Vite. La ville est à feu et à sang. Vite. Assassin dans la police. Oup, oup. Je te dois la vie. Ouais. Dis-moi, pourquoi m'as-tu aidé? Vous n'êtes pas le seul à qui les Pazzi ont enlevé un frère. Je m'appelle Ezio Auditore. Fils de Giovanni. Fils de Giovanni. Le marchand de pâtes. Ton père était un homme bon. C'était un jambon. Un homme d'honneur. Un homme loyal. Les hommes des Pazzi prennent d'assaut le palais de la Seigneurie. On ne pourra pas les repousser très longtemps. Non. S'ils parviennent à entrer, ils exécuteront nos partisans et les conjurés prendront le pouvoir. Ouais. Et j'aurais survécu pour rien. Il faut que... Francesco De Pazzi. Oui. Va sauver notre cité, Auditore. Tue-le. Tue-le. Ok. C'est... J'ai une nouvelle mission. J'aimerais, si possible, une nouvelle armure. Pour ça, il faudrait que je prenne le machin des chevaux et puis que je rentre à ma maison. Alors, pour... Ce noble a grandi dans une cité qui n'avait Dieu que pour les Médicis. Ok. Modèle de réussite. Francesco a appris à haïr les gens du peuple et ceux qui s'élevaient au-dessus de leurs conditions. Quand la banque Médicis supplanta la sienne, l'influence que sa famille exerçait sur le gouvernement florentin diminua peu à peu. L'Espagnol lui offrit une porte de sortie. Plutôt que de se salir les mains dans l'univers de la banque, Francesco eut l'occasion d'aider les Templiers par un acte qui remettrait les parvenus à leur place pour de bon. Ah. Il allait éliminer les Médicis. Giovanni Auditore tenta d'arrêter Francesco en le jetant en prison. Mais les Templiers trouvèrent une parade. Alors c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais ouvrir la map. Il faut que je trouve un voyage rapide. Alors attends, les voyages rapides, c'est où? C'est la petite flèche. Il y en a une là, qui est pas loin. Comme ça je rentre à ma maison. J'achète des nouvelles armures. Et voilà. Non, mais je m'en fous en fait. Monte pas sur les murs. Ouais, j'ai perdu la tête. Tu vas voir, je vais te mettre un coup de surin, tu vas voir. Je suis pas sûr que monter sur le toit va m'aider beaucoup. Aïe. Il est où? Là. Il va finir par se casser quelque chose. Alors, je voudrais aller à la villa, ouais, pour 100 euros. Enfin, 100 florins. Ça va. 100 florins, c'est pas beaucoup. J'en ai presque 30, je sais pas combien. 20 ou 30 000 qui m'attendent dans le coffre, donc ça va. Je peux dépenser un peu d'argent, quoi. Alors, il faudrait déjà soigner le docteur. On est soigné, c'est bon. Ouais. Je vais réparer mon armure. C'est où? Ah, c'est là. Mais poussez-vous, vous. Réparer, ok. Et armure. Alors, je peux acheter quoi? Ça. C'est tout. 3000, 15000, ouais. En gros, je vais faire mes courses. Vous serez satisfait, je vous le garantis. D'accord, bah si tu le dis. J'ai encore augmenté la notoriété de la ville. Alors, mon coffre à sous. Mais non, mais arrête de monter au mur. Ok. 21 000, ok. J'ai quoi d'autre? Est-ce que j'ai des pages à poser ou pas?
Interagir. Ok, j'ai mis des pages. Retour. Je me mets en mode. Alors. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je sais plus tourner. Attends, c'est quoi tourner? Ok. Comme ça. Là, comme ça, c'est pas propre. Ouais, comme ça. Ouais, ça, je suis pas convaincu de celui-là. Comme ça, peut-être. Ah, mieux comme ça. Ça ressemble plus à un truc comme ça. Je regarde à peu près partout. Ouais, le logo, je pense comme ça, il serait bien. Logo comme ça. Ok. Ok, je pense que c'est ça. Mais je suis pas convaincu de ce que c'est. On peut aller poser direct la petite pierre qu'on a trouvée. J'aurais voulu en récupérer une deuxième, mais bon. On reviendra après. Je suppose que c'est le premier qu'on a trouvé. Non. Ah, place et saut, ok. D'accord. Youpi. Je crois que j'ai une ou deux plumes en plus qu'on peut ranger dans le coffre. Le mur du codex, j'ai pas vraiment bien compris l'intérêt. Je vais regarder si j'ai tout, tout racheté. Je vérifie quand même. Salute, oui, salute. Voulez-vous consulter les tarifs? Ouais, vas-y, dis. Alors, j'ai tout acheté, tout acheté. Tout acheté. Ok. Bon voyage. Bon, bah voilà. Ah, ah. Non. Rien de particulier. De toute façon, il faudra que je regarde mes équipements. Ok. Plus 10. Alors, c'est pas du tout ici que je voulais aller, mais c'est pas grave. On va finir d'acheter des armes. Et puis je reviens pour me rééquiper avec ce que moi j'aime bien. De toute façon, pour la collection, c'est bien de tout acheter quoi. Réparer. Non, j'ai pas réparé. Armure. J'ai toutes les armures. Armes. J'ai toutes les épées. Ok. Munitions. C'est plein. Ok. Donc pour l'instant ça, ça c'est pour la couleur, on s'en fout. Marchand d'art. T'as pas de carte de trésor, des tableaux. C'est bon? Bon bah j'ai tout acheté. Ok. Normalement en ville là, j'ai plus rien à acheter. Normalement, pour l'instant. Je pense qu'il faudra que j'avance dans l'histoire pour débloquer plus. Mais pour l'instant, ça va. Alors, on va se rééquiper avec des trucs que j'aime bien. Alors, là. Interagir. Alors, j'ai quoi? Une dague? Non. Ça, c'est un stiletto.
Et ça, j'ai pas. Hein, le stiletto, il est bien. Celui-là, déviation, plus 2 de déviation. Ok, on garde le stiletto. Pour les épées, je crois que c'était celle-là que moi j'avais. Vide. Ça, c'est une vieille syrienne. Florentin, elle est un peu plus rapide. Ok. Épée commune, ouais. Et puis les marteaux, je m'en fous. Je m'en sers jamais des marteaux. Pour l'armure, je dois avoir la deuxième. Ok, il manque juste le torse et le plastron. Enfin, le torse et les bras, quoi. Ok. Bon. Et là, au milieu, je sais pas ce que ça va être. Parce que là, j'ai compris plus ou moins sur les côtés. Ça va être les, 4, les 5 armures. Mais là, devant, au milieu, j'ai pas compris ça va être quoi. Bon, bah, voilà, je suis plus ou moins équipé. Ah oui, les petites statues, pour ceux qui savent pas, en fait, ça permet de gagner un peu d'argent. Je crois, j'avais trouvé 2000 dans une des statues et 3000 dans l'autre. Donc, ça a aidé un petit peu, mais c'était pas exceptionnel, quoi. Bah, j'ai quoi? J'ai encore 14 000. Il y a moyen sûrement de racheter des trucs en ville. On peut racheter des œuvres d'art. On peut racheter quoi je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux acheter de plus? J'ai pas grand-chose de plus, en fait, à acheter. Vas-y. Tu vas m'amener en Florence. Tu vas m'amener... si possible, à côté de l'église. Là. Comme ça, si je peux aller chercher dans le... j'allais dire dans le temple. Dans l'église, le nouveau sceau, ça peut être cool. Je suis recherché. Enfin, pas pour longtemps, mais... Ok, 25% de moins, déjà. Et il y en a un deuxième ou pas dans le coin? Non. J'en vois pas de deuxième. Ah oui, mais maintenant que l'église est fermée. Je sais pas comment je vais rentrer dedans. Une porte. Ah. Oh, c'est ninja. Juste à côté des gardes, hein. Juste à côté des gardes. Ok. Alors. Oh. Ah oui, quand même. Di Grazia, faites en sorte de vous tenir à l'écart des fresques murales. Et quand vos hommes peindront la coupole. Oui. Veillez à ce qu'ils n'abîment pas les reliques sacrées qui se trouvent dans la lanterne. Ce sont les objets les plus précieux de notre cathédrale. D'accord. Oui, oui, padre. Au moment que vous payez bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ok, ok. Il y a un truc... Oh. Ninja. J'ai le droit de tuer des gens ou pas? Parce que j'aime tuer des gens. C'est quoi ça? Explorer la basilique, oui. Alors, on peut regarder. Explorer. Ok, il y a une croix.